Pichour, YouTube, ça va? Continue l'aventure. Je pense que ça va être la dernière vidéo aujourd'hui, là. En tout cas, qu'est-ce qu'on a construite? Merde. Voilà, on a construit un pressoir pour pouvoir presser nos 436 olives. Qui sont là. D'où elles viennent, ne me demandez pas. Dans la nature, hop, elles étaient là, on les a prises. Ok. Bon, notre village ressemble à rien actuellement, mais vous verrez qu'un jour, espérons qu'on fasse des quartiers. Les ports progressent, mais ne sont pas terminés. Hein. Rage, tunnel, coffre. J'en sais rien en fait, allons voir. Alors là, vous savez ce qu'on va faire? Country Road, Fallen. Non. On va faire un petit bout de route, faire un petit bout de chemin en caillou pour aller plus vite. Ça circule pas mal maintenant au fond du village là. Il va falloir construire quelques maisons par ici avec du stockage et ça dans un temps futur. Ah la water wheel. Excellent. Pourquoi ? Juste un peu de construction, mais on n'a pas de builder. Voilà, 3 builders. Boulot! Et ça, on a vraiment besoin de le faire maintenant. Et ça, qu'est-ce qui nous manquait pour le faire? Voilà, c'est l'hiver. On a 2500 nourriture. On n'a pas de bois de chauffage. Et on a des habits. 18 Tort Close. Si, si, il y a une route qui emmène au port numéro 2. Alors attendez. Ici, on est où? Herbaliste, non, non, non. C'est souligné en jaune la Smokehouse. 000. Ça, on pourrait la construire, hein. Smokehouse pour la viande. Et pourquoi la construire on pas ça? On va mettre pause en fait. Voilà, je pense qu'on est sur un peu trop de projets là. Le tunnel, c'est bon, on commence la construction là. Et le pont. Wooden Bridge. Ok, on est aussi en construction, il nous fallait juste des builders. Maintenant ça va avancer. Bon, on va arrêter les bâtiments un peu là. Et là, je vais mettre ça sur pause aussi. Il faut qu'on fasse le cimetière maintenant. Ok, là on voit bien la montagne, c'est cool. On va peut-être continuer de l'effacer en fait. Parce que de toute façon, ici, on peut pas construire. Voilà pourquoi faut toujours sauvegarder. Et là, c'est pile poil. Le seul moment où je sauvegarde pas, et ben c'est à ce moment-là qu'il y a un ghost tree qui casse les rondelles. Alors, comment on va faire notre caca maintenant? Content. On va devoir recommencer.
C'est cet outil qui me foire ma partie à chaque fois. M'énerve. Ok, alors là on a les champs, là on a le village, là on a des axes. Ici on va faire une route qui va nous prendre 1000 ans et qui va tuer 10 personnes parce qu'ils vont mourir de froid. Allons-y. C'est très droit, oui. Est-ce que c'est assez droit, je crois. Ok, déjà je commence à me souvenir un peu où sont les menus là, déjà c'est un petit peu mieux quoi. Bon là on va faire des gros rectangles, allez c'est parti, routons. Ici on peut mettre play. ...2000 de bouffe, 3 de bois de chauffage. L'équilibre est parfait. On va arrêter un peu le métal là, non? Je crois pas. Hop. Ah mais non mais il fait du col. Attendez mais où, d'où on sort tout ce fer? Ah mais c'est lui! Ok, ça y est, on a bientôt fini le... C'est bon, tout va bien. On a bientôt fini de poncer notre iron ore, nos minerais d'iron qui sont en train d'être traités ici. Et c'est pour ça qu'on a masse de fer. Et donc, alors attendez. Josiane. Tu vas te calmer. Michel. Tu vas travailler. Combien on a d'outils? 98. Et les outils, on monte à... à 200 outils. Ok. Ah, il se passe des choses. Il se passe des choses ici. Tunnel. 60% complete. Notre petit port de pêche. Ok, ça c'est bon. Et là, on touche au but. Alors ici, voilà. Donc, on a un... Ah, il faut emmener du trade ici. Inventory. Emmener de la beeswax. Qu'est-ce qu'on a en masse? Voyons un peu nos ressources. Ok, je vais relancer le miel. Et il bosse, hein, toujours, c'est bon. Ah, un marchand. Alors, pause. Les heures, on le garde. Le linen, tiens, on va en prendre un peu, ça doit valoir des sous, ça. 60. On a combien? 120. 60 et on va en prendre aussi 60 ici. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre encore? On va vendre un peu de miel. Iron ore, on va en emmener, tiens, parce qu'on s'en fout, on en a plein. Ok, on est en train de faire du col, pourquoi pas emmener un peu de col? Là, que ça s'en sert. On pourrait vendre quelques outils, hein. Est-ce qu'on peut vendre des rougues? Tiens, on peut vendre du sable un peu. On va vendre du sable. Alors, est-ce que le marchand il va m'emmener des animaux? C'est ce qu'on va voir. Iron tools. Est-ce qu'on peut vendre des rook tools? Voilà, comme ça, tous les marchands, il y a un peu de stock dans tous les marchands. Ok, trade. Et il a ses... Ouh!
Oh là là, c'est tellement cher. Alors, est-ce que je peux... Et voilà, maintenant, je peux ordonner des trucs. Moi, je veux des chicken. Et des chips. Comme order form au délinia. Oh merde, ça coûte trop cher. 550 le pig. Donc c'est ici qu'il faut emmener absolument masse de ressources. Pour emmener, j'ai rien. Attendez, j'ai 1000 dry goods. Là, c'est le, la bouffe. La bouffe, on va la garder. Par contre, j'ai materials et dry goods. Amine. Qu'est-ce que c'est que j'ai autant? Alors, materials, attendez, où est-ce que je peux voir ça? Voyons. Ah, mais j'ai du fer. J'ai eu pas mal de fer, c'est ça, je pense. Bien, j'ai 137 d'iron. J'ai pas grand chose. 386 de fuel. 200 de sand. 161 de lumber. Ouais, la bouffe, faut mieux la garder, ouais. Non, par contre, voilà, j'ai. On est 100. Lumber, j'ai pas trop envie d'en emmener parce que ça nous sert à la construction. Les outils, on va en fabriquer plus, je peux en prendre pas mal. L'iron, je vais en emmener 200. On va se calmer. On va emmener 100. Donc j'ai 1000 et 1000. Alors dry goods, qu'est-ce que ça pourrait être? Où est-ce qu'il pourrait être? Je suis que 237 hein, finalement. Là, ça fait de la planche comme il faut. Ah, voilà. C'est dur de retenir qu'est-ce qui est du dry good et qu'est-ce qui est du materials. Sachant que là, alors le sable doit être ici. 200 de sable. Ah, tout ça, c'est materials, il me semble. Donc, materials, on va passer à 2000. Dry goods, on va passer à 2000. Si, on va augmenter ça. Alors, il y a les olives aussi, mais on les garde. Ça, ben, on va en emmener 100. Combien elle demande sur ce... Ok, 0. On va mettre plus qu'un builder et on va mettre deux personnes ici. Voilà, donc il y a personne là, mais il y a deux personnes qui travaillent ici maintenant. Donc j'espère que le marchand va rester, sinon c'est la prochaine fois qu'on aura des animaux. What? Oh non! Attendez. Vous, les amis. Attendez, mais... Oh! Vous allez être à 2 ici. 2 sur 2. Et ici. Maintenant, vous êtes sur 2. Vous êtes 2. Oh, il n'y en a qu'un. Attendez, mais... Combien j'ai de marchands? Ça... C'est trader normalement, non? Trader post. 2 sur 5. Voilà, 4. Donc ils sont 4 maintenant. Voilà, on a plus qu'un builder. Alors donc ils sont 4. Hein. Donc là ils sont 2. Ils sont 2. Donc là maintenant on devrait emmener les ressources.
Et je pense pas que le marchand va attendre. Ça y est, ils sont en train d'emmener des ressources. On a emmené 40 d'iron. C'est 5 l'iron. Ok, je peux acheter un demi-cochon. Je peux acheter un demi-cochon. d'iron. Oh là là, il y a un autre marchand. Mais vous savez quoi? Je vais pas acheter de cochon. Je vais attendre les poules et les sheep. C'est les moutons surtout qui vont nous servir. Et lui pareil, on va lui commander des animaux du coup. J'ai fait les autres marchands pour rien, mais bon, on a plus comme ça d'échanges plus souvent. Et petit à petit, ça va être utile quand même. Ok, alors, qu'est-ce qu'on voudrait autrement, nous, mis à part des... une autre nourriture, comme par exemple du blé, quoi. Alors, sheep, lama, apple seed, bamboo seed, barley seed, beet seed, betwood. Poly, blackberry, berry, cabbage, canola, carotte, cherry, coffee, chili, chestnut, corn. Ah, non. Coton. Eh, mais les moutons, ça fait pas du coton, abruti, ça fait de la laine. Pardon. Flaxseed, ginger, grappe. Est-ce que je prends des graines de coton? De la marijuana. Apple, c'est du chêne. Hot, c'est le... On prend juste maintenant au petit-déj. Olive seed, on va en prendre. Peach, pear, pécan, pepper. Putain, mais tout ce qu'il y a... Potato, important, des potettes. Des patates et du riz, ça c'est la base. Faire de toutes les recettes. Des racines... Pinac, des pinards, du riz, sugar cane, intéressant ça. Sugar beets, des betteraves. Salut le nanox. Sunflower, on avait vu ça pour faire de l'huile. Agave, tabaco, et oui, faut bien qu'il détende le cul en fumant des bons gros cigares au bar. On fera bientôt. On va faire de l'alcool aussi, vous le savez, hein. Tomates, ouais, walnut, watermelon, wheat, c'est ça qu'on veut. D'abricot, ok, apple, alors là c'est tous les fruits, parler de la viande, pain de cheese, voilà, mais oh, ça va, oui? On va se calmer sur les animaux. Les animaux, on va les trade de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que t'as dans ton inventaire, Jean-Michel? Oula, t'as plein de choses! Non, c'est moi qui ai plein de choses. Bamboo seed. 3000! Fous de ma gueule. Des graines de raisin. 3005. 3000, la graine de bambou. Ouh, il me fait froid dans le dos. Je demande des vaches et des chevaux, ainsi que des vers à soie. Est-ce qu'on a fait, non? Ah ouais, des vers. Ah oui. Alors, ils sont où, ces... Oh, mais comment on va les trouver là-dedans? Skill. Silk. Commander des bagels. J'ai des vers à moi? J'ai des vers, moi. Je peux même acheter des barrels directement. Ah ouais, des graines, comment elles s'appellent? Silkworm eggs. C'est ça qu'il nous faut. Il faut des silkworm eggs. Je te cherche, mon ami, je te cherche. Silk cocoon.
Eh ben pourquoi t'es tout seul? Il est où ton copain? Cornet beef. Clayfish. Comme dans Minecraft. 300. Domesticatif d'animal. C'est ça qu'il nous faut pour fabriquer ça. Domesticatif d'animal. Oui, on en veut. Alors, attention, il y a des œufs ici. Salut Cotra, en fait. Si vous les voyez, vous me dites, hein. Vu. Silkworm heads. Du pain à l'ail. Des fournitures stylées. Des gemstone tools. Waouh. De la glace, ça pourrait servir, ça. Hein. À mon avis, on n'est pas prêt d'en fabriquer. On fera de la confiture avant de fabriquer des vitres, à mon avis. Des hardened tools. Cheval. Iron. Jade statue. Ketchup. Jade. Iron statue. Iron ore. Kiwi. Chain soup. Lampoil. Attendez, JKL. Ok, c'est dans l'ordre alphabétique. Vas-y. Il y a des dés. Donc tu reviens en arrière au cas où j'ai loupé. Lim. Vert. Angle, lumber, apple, sirop d'érable, l'or, des muffins, des armes, muscle, poisson salé, de la viande salée, de la viande fumée, ça on va la fabriquer, du savon, quoi faire, des oranges, des pêches. C'est par catégorie parce que là c'est tous les fruits ensemble. Donc où sont mes larves? Seed oil, c'est ressource. Skillworms egg. Animal domesticatif, cool. On a besoin de tout ce qu'on a. Merci hein, de m'avoir fait penser à ça. Des fermines, merci mec. Yes. Ok, et si on faisait un cimetière? Attends. Là, on a un... Alors, village. Alors, voyons. Oula! Ah non, c'est bon. Alors, on a plus que 1000 de bouffe, hein. Et on n'a pas de bois de chauffage. On a 230 de bois. Yes, alors attendez. Déjà, vous. Combien vous êtes? 6. On vous prend. Ici. sur 13, 5 sur 5, ok, ça va être build, et ça 40 sur 40, ok. À suivre, parce qu'il nous faut du bois de chauffage, là, absolument. Alors, c'est beau. On aurait mieux fait de mettre des ghosts, comme ça j'aurais mis du chemin en dessous. Je peux pas mettre de chemin, maintenant. Ouais, bravo. J'enlèverai ça, je pense. C'est un petit test. Ah, il y a des homeless. Bon, vous savez quoi? On va faire la maison ici, hein, tout simplement. Ah bah, les tentes de... Ok, donc le cimetière. Ok, il va falloir s'en occuper un jour. Il y a 6 personnes qui n'ont pas de maison, dont un qui n'a pas de travail. C'est pas quoi faire, quoi. Ah, mais c'est les mecs à qui j'ai déjà donné du travail qui, par la suite, quand je bloque les bâtiments, disent qu'ils n'ont plus de travail parce qu'ils sont affectés à un poste.
Voilà. On a mis un panneau. Beau. C'est quoi ça? Sun decoration. Et un petit banc. C'est magnifique. Et ça, ça nous mène... Hop là. Alors, ouais, ok. Ok, ok. On va vivre avec ça, on va vivre avec ça. Et là, du coup, ça nous donne... Alors maintenant, vous allez arrêter de passer par là, puis vous allez passer là. Bande d'ignards. Ah. On va pas s'étonner que ce soit pas clean. Ok, et là on va faire un truc qui sert à rien. Maintenant. Ça. Y'a pas de torche. Alors on n'a pas de pierre comme d'hab. Alors d'ailleurs, est-ce qu'on peut choper de la pierre par ici? Attends. Early summer. On n'a pas de bois de chauffage, hein, c'est infâme. Attendez. Ça. J'ai combien de builders? Au boulot. Ok. Let's go. On fait un cimetière. Yes, alors on va faire une stock pile ici. Sur un... Comment ça se fait qu'il y a déjà un mec qui bosse ici? Ah, c'est... ok. C'est le forgeron qui bosse ici. Blacksmith, ils sont trois. Ils sont trois, pourquoi? Alors, j'en ai stoppé un. J'ai stoppé lui, il me semble. Ouais, voilà. Lui, il fonctionne plus. Du coup, maintenant, il est parti bosser de l'autre côté. Et c'est celui qui avait pas de boulot. C'était lui. Parfait, on l'a trouvé. Celui qui fabriquait les outils. Combien on a d'outils? 16. On a 26 habits. Et toi, t'as de quoi fabriquer, hein? Iron, il y en a encore plein. Log plus iron. Par contre, il a pas de log. Faut y aller au niveau du bois, les gars. Faut y aller. Plus. Plus de bois. Moi, je peux pas enlever tout ce bois. Qu'est-ce qui se passe avec tout ce bruit? Il est déjà ordonné ou quoi? Et ce bois est vite fait bien fait. Ok, et ici aussi.
La vie sauvage. Hop là, la vie sauvage. Ça dégage. Eh ben c'est pas si moche finalement. Ah, j'ai pas mis les bancs au bout. Ouais, bon, c'était des tests. On les refera certainement. Non mais si, et pas la terre. Oh là là, il plante des fleurs au marteau quoi. Ok, bon ça avance tout ça, ça avance. Qu'est-ce qu'on a pas? Tool. Attendez, attendez, builder. Alors on va mettre deux builders. Et on va utiliser quelques ressources qu'on a. Alors je sais pas pourquoi ils prennent le col, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Pareil, ils en ont dans les maisons pour se chauffer. Je sais pas, mais ils ont des trucs. Hein. Franchement, ils sont pas à plaindre au village. Il y a du col. C'est bon de quoi se chauffer. Firewood 11. 152 olives. Et oh. Oh. Ah. On récolte des olives. Hein. Attends, mais c'est pas là qu'on récolte des olives, abruti. Mais bien sûr, c'est là que je fais des olives. Je suis bête, moi. Bravo. Voilà pourquoi on a des olives. Donc c'est bien qu'on fasse le pressoir. C'est lui le pressoir, non? Oh, il presse. Mais celle-là n'est pas sur pause. Si, on va enlever la pause. Il faut de la stone. Sherman. Donc là, on va avoir un peu plus de bouffe. Combien on a? Deux personnes de dispo. Sherman, il est là. On va mettre deux gars. Et 10 pêcheurs. Let's go, ça, ça tourne. Et voilà, on a fait un petit truc sympa, là. Les trois cumulés ensemble, ça colle pile poil. Enfin, c'est peut-être fait exprès, hein. En tout cas, c'est stylé. Ouais, vraiment cool. Là, on attend nos futurs cochons, nos futurs animaux, en tout cas. Tiens, elle est là, la pêcheuse. Tiens. Est-ce qu'on lui ferait pas une petite réserve de bouffe juste... Ah, une mini barne. Ah ouais, ça pourrait être sympa, tiens. Comme ça, ils stockeront ici au lieu de toujours faire des allers-retours parce que ça, il y a deux caisses de poissons déjà. 3000 de bouffe. 3000 de bouffe, je pense qu'on a assez. Hein. On va baisser la limite à 3000. Allez, 3005. 3000. 3000. 3000, c'est assez. Ah, faut quelqu'un ici pour faire de l'eau, sérieux? On n'a plus personne qui est disponible pour bosser. One of one. Et c'est quoi ça? Petite tente, il est où? Qu'est-ce que c'est son métier à lui? Cureur, non. Fuel refiner, non. Vendeur, c'est un vendeur. C'est un vendeur de flotte. C'est parfait. Mais si vous pouvez avoir de l'eau au village, buvez. Buvez les amis, buvez. Alors le cimetière, faut masse de pierre, j'imagine. Quelle heure il est? C'est pas l'heure que je réponde au téléphone encore. Non, il y a toujours des sans-abri, ça pue. Des farmers, on va en mettre 18, on va mettre 2 builders. On va mettre même 16 farmers, 4 builders, on va même mettre 14 farmers. Et deux laboureurs. On a vendu tous nos outils. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Toi tu vas rebosser. T'as trop de boulot. Alors il nous faut un blacksmith de plus. Un 4 sur 3. Et toi, on te fait bosser. Résultat 4 sur 4. Merde. Ah c'est bon, 1 sur 1, ça va, ça on va refabriquer des outils avec le peu de fer. Ah donc on va relancer la mine. On en a un, ça tombe bien. Ah mais non, il y en a toujours un. Ah il fait du charbon. Oh là, là les cailloux. Ah il y a un marchand. Le genre de jeu où faut tout faire en même temps.
géranium. Oh là là, il n'y a plus d'outils, il n'y a plus d'outils. Pénurie. Pénurie de maison, pénurie d'outils. Et il y a un outil dans le village. Ne t'inquiétez pas, on a coupé des arbres avec des outils non aiguisés, c'est pas grave. Le marchand. Merde, le marchand est parti. À 500 le poyo, quoi. Alors, est-ce qu'on peut arriver à 500? Alors ça y est, on a des chicken nuggets. Cet épisode, il va s'appeler poulet et cimetière. Comme ça, les gens, ils vont dire, hein? Allez, dégagez. Mais attendez, mais il est là, il est dans son bateau, je l'avais jamais vu. Salut. Oh ouais. Ah ouais, je les avais jamais vus, tiens. On a deux chicken. Parfait, parfait, notre petite barne. Là, tout fonctionne. Et il fait son petit charbon avec du bois, mais on va se calmer peut-être. Col limite de 1000. Ah ouais, il y a une limite de col carrément. Attendez, c'est dry goods. Dry goods est à 2000. Faut que je mette aucune. Attendez, je vais mettre 2100. Voilà, donc on sait que matériel c'est le col et dry goods c'est pas le col. Et les gars, je crois qu'on a tout ce que... Poulet de ses morts. Salut Fermine, à bientôt. Alors, est-ce qu'on va voir... Ça y est, prépare le terrain. Oil Press est en train de construire. Est-ce que nos poyos sont dégagés? Ah! Petit poulet! Petit poulet deviendra grand. J'ai envie de voir arriver. Mais attendez, il y a encore des mecs sans abri. Ah, les maisons sont pas construites. Ils ont passé l'hiver dehors. Early spring. Purée, mais j'ai l'impression quand je me regarde que je deviens de plus en plus rouge. Est-ce que je vais finir par exploser? Voilà, donc là on a poncé tout ça. C'est parfait. Tiens, du caillou. Prendre d'ailleurs. Alors, elle prépare le champ ou elle fait quoi là? Parce que c'est bien de gratter la terre, mais les poulets. Ah ouais, 2 of 10, ok. Je peux en mettre 10 là-dedans. J'espère qu'elle prépare bien son petit champ parce qu'il me tarde de voir les petits poulets ici. Alors les maisons sont construites, on a encore 4 personnes sans habitation. Donc... Attends, je sais pas ce qui m'arrive avec cette couleur. Moi qui arrive à avoir un fond vert, c'est incroyable. Et bien maintenant que j'arrive à avoir un fond vert clean, d'ailleurs il est plus petit qu'avant. Je vois. Maintenant que j'arrive à avoir un fond vert clean, et eh ben je suis rouge. Alors ici je voulais faire des maisons. Hein. Alors est-ce qu'on peut changer d'habitation un peu?
On va pas leur faire des tentes quand même. Ah, des maisons en pierre. C'est vrai que c'est l'évolution suivante, ça. C'est vrai qu'ils auraient moins froid dans leur petite maison en pierre. Tiens, on va mettre une maison comme ça ici. Combien ça coûte? 24, 16. Celle-là? 16, 8. Ah, le deuxième étage, excellent. Ça donne envie quand même. Colonial Small House. Ça, c'est moderne. Enfin, contemporain, quoi, je dirais. Contemporain, disons. Voilà. Boarding houses. Okay. Ça, avec ça, on va faire de ces quartiers, les gars. Ça va être vraiment stylé. Faudra que je me rappelle où c'est. Hein. Build a small row house. Ça va être vraiment cool d'utiliser ça. Bon, on va rester dans la maison classique. C'est trop tôt, moi je m'emballe, mais faut plus jouer encore. Hein. Ça, c'est trop récent. Et ben, on va faire une maison comme ça. Et là, par contre, on va faire un chemin en pierre. Ça va nous coûter une fortune. D'ailleurs, depuis ce temps, ils sont encore en train de le construire. Combien j'ai de builder 1, c'est dans... Ah non, 4. Parfait. Attendez, mais du cuir, j'en ai ? Du laser. Il n'y a pas de citoyen valable pour bosser ici. Attendez, on va faire de la déco, le temps que je comprenne ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à lui? C'est quoi son problème? Déjà 43 minutes d'épisode. C'est quoi son souci? No citizen in this location. Alors, 0 sur 1. Si je fais 0, qu'est-ce qui se passe? Alors, Taylor. Je sais pas pourquoi je regarde ça, mais je comprends pas. 1 sur 2. Et parce qu'il y a un autre mec qui fait des habits à Brutus. Il est où déjà? Attendez, on a un mec qui fait des habits, hein. On a un mec qui fait des vêtements, des vêtements, des vêtements. Il fait des vêtements avec du flax, c'est lui. Ah non. Weaver. Lui, c'est le Weaver. Alors, il est où le deuxième qui fait les vêtements? Pourquoi je suis à 2? 1 sur 1. C'est elle. Et le deuxième, il est où? Alors, est-ce que je peux les trouver de là? Ah si, peut-être. Ah ouais, c'est vrai que ce jeu est bien fait. Contrairement à d'autres. Parlez pas de Scrap Mechanic. Donc... Taylor. Ah, c'est mélangé. Taylor, Taylor. Ok, donc celui qui récupère le flax, c'est un Taylor. Non. Old Taylor Shop.
j'avais pas réussi à voir ce que je voulais. Bon, tu travailles où, toi? Ah, voilà, il est là, le petit Tyler, c'est vrai, j'avais oublié. Then closes. Alors, close, on est à 60. Là, c'est 150. Pourquoi il est en arrêt? Ah, parce qu'il n'y a pas de ressources. Ok. Très bien, c'est bon, on a trouvé où c'était. Donc, il y a lui, et maintenant, il y a lui qui fabrique des vêtements. Les outils, ça remonte gentiment. Bon, ça va. The Merchant, Late Autumn, Late Spring. Ok, donc ça c'est passé 13 et nous on est au 14. Très bien. Récolte les cailloux. Ils ont bien poussé les cailloux, dis donc. On va les virer en général, fixe ces cailloux. Bon, ils nous sont bien pratiques, mais un de ces quatre, ils vont quand même dégager. Mais bon, quand même, on peut pas nier le fait qu'ils soient pratiques. Je pense qu'on va mettre des tentes pour les futurs arrivants. Ça pousse bien les cailloux. Heureusement d'ailleurs. Bon, et ben je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. On a fait tout ce qu'on voulait. Et le cimetière, voyons. 29 sur 32, 0 sur 32. Là il manque. Focus, on va aller sur pause. Alors attendez, ce qui est sur pause, on va se le mettre en bas. Le oil press, il avance. Hein. 7 sur 40, voilà, il nous faut des cailloux, des cailloux. Alors, avant de se quitter. A small quarry to extract resources function exactly the same as regular quarry, only with fewer maximum workers. Upgrade version allows the ground to reclaim when removed. Ah. Ok, quand on a fini de poncer tout le sol, on peut upgrade la quarry. Ça nous permet de... recommencer à prendre de la ressource. Est-ce que je mets celle-là? Est-ce que je sauvegarde? Non. Ben on a ce projet qui est en plus maintenant, projet de quarry, donc là j'espère qu'on va faire plus de cailloux, ce qui va me permettre de virer tout ça. On va prendre à ranger là les gens. Ça c'est bien. Alors le bois, oh ça va, hein, regardez, 2000 de bouffe, 200 de bois de chauffage, on est combien, 72. Ici, bon, ils sont à 3 étoiles, l'Average Happiness of Citizen. On va commencer à s'occuper des services des citoyens maintenant qu'on fait tourner un peu le village. On va pouvoir commencer à mettre des bâtiments, des écoles et tout, et faire d'autres quartiers dans toute cette zone-là. Donc, voilà, là, on a un beau projet de village qui va commencer là, qui va jusqu'ici. Là, il y aura des bâtiments encore de travailler qui vont créer des ressources. Je pense que là, on va faire une place du marché et on mettra encore des maisons sur les côtés. En tout cas, ça commence à bien bosser. Ah, bonjour! Ça y est, on a des œufs! On pourra faire des omelettes. Et ben voilà, tout est bien qui finit bien. Salut, fantôme. Alors, tu peux les laisser à 4, car une fois fini, leur construction, ils deviennent de simples ouvriers. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et ben c'est parfait tout ça. Allez, on s'arrête ici. Des gros bisous, YouTube. J'espère que ça vous a plu, que ça vous plaît, que vous voulez continuer d'avoir tout ça. C'est la fête. Ok. Bisous à tous. Ciao, ciao.